d'entre vous ont peut-être reconnu un extrait des 4 saisons de Vivaldi. Nous vous avons joué ce morceau avec 2 collègues qui sont Isabelle et Svetlana. Au conservatoire, nous sommes 5 professeurs de violon et nous allons aujourd'hui vous faire découvrir cet instrument. Aujourd'hui, nous avons avec nous Émilie et Dania, 2 violonistes avec qui nous allons regarder d'un peu plus près comment est fait ce violon. Le violon est en bois. Il a 4 cordes. Mi la plus haute, sol la plus basse, la et ré. Avec une baguette en bois et une mèche en crin de cheval. Et maintenant, nous vous jouons Yoshka, un petit morceau de l'Europe de l'Est. Vous avez pu l'entendre, le violon se joue à 2, à 3, en petit groupe ou en grand orchestre. Mais notre instrument se marie aussi à d'autres instruments, comme le piano par exemple. Tout à l'heure, vous aviez entendu l'été de Vivaldi, et maintenant nous entendrons le printemps de Beethoven, avec Elsa au violon et Mathieu au piano. Au sein de notre équipe, il y a également Laura qui enseigne le violon baroque. Et voilà le violon baroque. Cet instrument n'est que le grand-père du violon que nous connaissons. Il lui ressemble beaucoup, comme tous les petits enfants ressemblent à leurs grands-parents. Mais tout de même, il y a quelques différences. Par exemple, les cordes. Elles produisent exactement les mêmes notes que dans le violon moderne. Mais comme elles sont fabriquées avec un matériel entièrement naturel, eh ben le son, il est très rond. Mais surtout, à l'époque du violon baroque, on pouvait choisir parmi plein d'archets différents. Des longs, des courts, des pointus, des clairs, des foncés. Tous avec une forme et un son différents. Le violon se joue un peu partout dans le monde. Nous allons traverser l'Atlantique et aller en Argentine découvrir un tango qui est une musique instrumentale mais sur laquelle on peut également danser.